Salut Ahmed Seraph! Salut Ahmed, c'est Jules. Eh bien, on espère que ça va bien. On est parti pour des petites parties de Wolfie. Donc, on va avoir une petite série de deux parties. En gros, on part sur 12 joueurs avec 3 loups, 3 simples villageois, un rat malade, une sorcière, un chasseur, un garde, un dictateur et un chaperon rouge. Bon, la première, de toute façon, Ah, mais c'est bon, je suis dedans en fait. La première, on la teste de toute façon. Ouais. C'est un peu galère. Sans la vidéo. Et on coupe la nuit, on coupe la nuit par contre. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Bien. Bon, voilà, alors je suis sorcière. On va voir un petit peu ce qu'il est possible de faire dans cette partie. Ça s'est rempli très vite, donc c'est un peu compliqué. Oh les bâtards! Ah les bâtards. Ah les bâtards. Ah, c'est salaud. Le rat malade qui nous contamine tous les deux, quoi. Ah là 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 là. Ok, bon. Si j'utilise ma technique standard, je devrais normalement attaquer Julie. Ce qui est logique, hein. Hop, alors. Les Lugans vont choisir leur victime. Ils mettent du temps à choisir. Ils mettent du temps à choisir. Ok, tout le monde est en vogue, ça va. Ouais, en fait, le temps de partager la partie, tout le monde était là avant qu'on décide de si on mettait le vo... enfin, qu'on leur dise de venir en vocal. Danine. En fait, je vais pas utiliser ma potion de vie sur quelqu'un qui n'est pas infecté parce que c'est peut-être le rat malade et je préfère que les loups-garous le tuent. Mince, la sauce, elle a pas arrivé à vider. Ah, ça pue. Là, Oh non. ça commence Oh non. bien. Ah ouais. Moi et jus contaminé. Je crois qu'il faut mettre une zéro à partir de la prochaine. Ah, j'avoue, c'est bien. Oh! Oh! Bonjour! Yes! Coup de Ça chance. commence extrêmement bien là, en fait. Mais c'était du full random, mais c'est bien joué. C'est quoi ce hasard? Ah bon, on va dire que la première partie est spectaculaire. Ça commence bien. Ça a La commencé question. par Danine, Donc t'es le si j'ai bien boss. compris, Raph et Jus contaminé. Exactement. Oui, c'est vrai en plus. J'avais pas C'est cool le vu. focus, hein. Ouais. Donc, moi je propose comme d'hab ma fameuse stratégie anti-rat malade. Qui consiste à éliminer un de deux joueurs contaminés. Et oui. Bah du coup plutôt Raph. J'ai tout. J'ai. Alors, pour une fois que. Bah là au moins on sait que vous êtes innocent quoi. Pourquoi tout le monde Bah ils peuvent être Là. malades, mais ils Enfin, peuvent ils être peuvent être infectés. loups-garous. Bah rat malade, voilà. Enfin, mais je dis Enfin, le innocent rat en malade, termes franchement, c'était pas la pas priorité malade. pour le moment. Non, Hein. Pour l'instant, il faut se concentrer sur les Oui, loups, mais c'est jusqu'à ce mieux que de leur là. mentir pour l'instant. Il a déjà Pour expliqué que c'est l'instant, il faut bien. pas s'en préoccuper. Alors, oui, le but, c'est pas de chercher le rat malade. Le but, c'est de profiter du rat malade pour avoir plus de chances de trouver des loups. Voilà. Enfin, quitte à éliminer un contaminé, autant pas le faire maintenant non plus. Bah, en fait, Surtout. tous les tours sont importants. Enfin, mieux vaut chercher d'autres pistes que ça, histoire d'avoir de l'information Ouais, mais au là, plus vite. il nous reste déjà 1 minute. Enfin, il faut commencer à accuser quand même. Ah, On va je vais avoir le laisser maximum regarder un petit d'informations. peu. Bon, je suis la strat, hein, mais en fait, je pense que. Est-ce que Raph, s'il était loup, il aurait dit ça? Oui, si j'avais été rat malade, j'aurais dit ça Quatre aussi. trucs. Et si j'étais villageois, j'aurais dit ça aussi. Bon, Ceci bah, dit. let's go tu Raph, alors, parce que moi, je suis vraiment ino. Ouais, alors non, bah non, parce que moi je suis vraiment inno à 300%. Pour des raisons. Il a En resté les 1 minute. vrai, sur cette par en vrai, sur cette partie-là, ce serait vraiment problématique de m'éliminer, je pense. Moi, c'est moins problématique, mais je suis honnête. Bah, Genre, moi aussi, je suis honnête. ouais, ça, c'est pas sûr. Bah, ma strat. Après, là, les gens, il va falloir décider au feeling. Hein. En fait, C'est je vois pas en comment quoi vous me sentez. en fait, je vois pas en quoi t'es Ouais, plus honnête que moi. Sachant ouais. que moi, de toute façon, je propose une stratégie qui fait que si je suis pas dans le village, de toute façon, elle me met dans la merde. Donc, Moi, vas-y. Hein. Bah après, je sais pas trop si c'est bien de suivre cette route au tour 1 parce que du coup, le rail nous limite à 2 joueurs.
C'est une remarque pertinente, ceci dit. Là, pour l'instant, oui. Moi, ce qui est très pire, c'est que. Justement, il a dit que j'ai. Et après, on se fait du mal. Pour moi, quitte à faire ça, ça se fait pas le T1, mais bon. Ah ouais. C'était à peu près sûr, hein. Malheureusement. Bah, dire Charol qui poserait problème si on élimine T1 et dire. Ah, mince, c'est la nuit, je me mute, pardon. Bon, on va voir ce que peut proposer. Alors là, j'avoue que j'étais un petit peu fort, mais en même temps, c'est un peu compliqué. On est avec 3 minutes et Jules a pas eu la possibilité de prendre la parole comme il le faut. Donc, elle a pas trouvé la place pour parler. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Et en fait, j'ai des difficultés parce que je vois pas qui parle en fait. Bah ok. Aïe, 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 aïe. Oh putain, ça pue la merde. La sorcière qui réveille pas des uns et qui tue des deux. La sorcière là, elle garde la potion pour elle. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment pas une bonne strat. Non mais en fait, les deux morts c'était les deux contaminés. Ah ok. Les deux morts c'était les deux contaminés donc. Donc c'est. D'un côté c'est. C'est compliqué, c'est-à-dire que le rat malade vise que des innocents. Bah oui, il reste que moins contaminé. Hein. Oui. Enfin, le rat malade, là, on va le laisser de côté encore un peu parce qu'il y a sûrement les loups qui vont finir par l'attaquer. Bah là, c'est pas compliqué. Si je tape n'importe qui d'entre vous, j'ai une chance sur deux de taper un méchant. Hein. C'est ça. Ouais. Alors, en vrai, j'ai vraiment pas de chance parce que. Mathématiquement, même si la technique de base, la stratégie de base, elle est bonne, là, elle n'est pas récompensée, quoi, et c'est embêtant. Faudrait aussi que le dictateur peut-être attaque au prochain tour, parce que... Là, à mon avis, il faudrait cibler quelqu'un d'autre que... Que Rourke, parce que sinon, on se limite à une seule personne ou deux à chaque fois... Ouais, puis là, je vous assure que c'est vraiment pas le bon plan, hein. Mais est-ce que le rat peut infecter qu'une seule personne, et comme ça, il se fait passer... Non, c'est deux. Non, il peut pas. De toute façon, il peut pas se faire passer parce que les malades. Bah, Roman, si tu pouvais. Contaminé. Donc, le rat, il peut pas se faire passer. J'ai pas joué le rôle, mais j'ai déjà joué. Hop! Putain, j'ai pas de chance, il faut que. Pour moi, je te mange, c'est une bonne chose de lire Mer parce qu'il a peu parlé, mais il a parlé que pour dire des choses qui auraient fait avancer le débat. Ouais. Moi, ça fait deux fois. Alors, il n'y a pas beaucoup de votes, du coup, c'est difficile de voir un contre-temps, mais ça fait deux fois que je vois Xim réagir. Parce que moi, j'en ai une, mais je sais pas. Moi, je partirais bien sur Xim qui se fait très petit. Et quand il est loup, je le connais, il s'est fait toujours très ouais, petit. Ouais, puis il vote quand même, et j'appelle alors ça du contre-temps, moi. Parler, mais on me laisse pas prendre la parole. Bah. Ah, bah oui, il y avait le dictateur. Mais Tilius, t'as papa, il a pas voulu entendre ce que j'avais à dire. Il a fait ferme ta bouche. Oui. Bon, on est plutôt bien. Les deux rôles de mort ont tué des loups-garous. Donc, on se met bien. Et là, c'est le moment où on claque la potion de vie. Non, on claque pas la potion de vie sur un non contaminé. Ah, c'est ça qui est compliqué, hein. C'est que la sorcière, c'est censé être un bon rôle, mais s'il est contraint par... par le jeu... Alors... Oh, le garde à protéger. Non, attendez. Ok, alors, j'ai juste une question pour moi, à vous dire. Roman et Tritri, c'est le rat et le dernier loup.
pour moi. Ok, mais là, il faut s'occuper du rat absolument. Ok, attendez, 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 deux secondes, juste un truc. Déjà, le garde ne protège pas quelqu'un qui n'est pas contaminé. Parce que, enfin, là, je sais pas si les loups-garous ont attaqué quelqu'un de contaminé, mais ça aurait été... Ah, quoi que, ouais, les nouveaux contaminés, ils connaissent pas. Ah, c'est chaud. Bon, ok, d'accord. Rétilus et je te mange, on est contaminé, donc il reste Tritri, Roman et Chi. Mais là, dans tous les cas, faut tuer des non-contaminés, sinon le rat, il a win. Bah, ouais, raison de plus pour... Bah, oui. Mais il y a qui ira ? Qui ira ? Bah, pour moi, ce serait Tritri ou Roman. Je vois pas qui d'autre. Moi, je pense que c'est Tritri, parce que Tritri a dit GG Soso et... Ah, quoi que non, un loup-garou aurait pu dire GG Soso aussi, en fait. Ouais, non, laisse tomber. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il n'est pas garde. Et si on tue pas le rat maintenant, on perd. Ouais, je suis d'accord. Donc, ça veut dire qu'en gros... Bon, déjà, Tritri n'est pas garde, ça, c'est sûr. Donc je pense qu'on peut... Attends, et c'est qui a... Carri... Ah oui, c'est Rétilus, le dictateur. Eh ben, convergence d'informations, non ? Moi, j'aurais... Ah, pardon. T'as coupé, pardon, vas-y, parle. Non, vas-y. Ok, la bataille de politesse. Alors, je pense que ça serait plus Roman, parce qu'il est là, genre, ah, si on tue pas le rat, on perd. Je sais pas. Je sais pas si... J'ai du mal à retenir les voix, mais je saurais pas trop dire si on a entendu. J'ai un autre suspect, sauf que je suis pas sûr. Bah dis-le. C'est des doutes. Enfin, dans tous les cas, c'est utile. Ça me semble un peu bizarre, tout ça. C'est un public qui obtient un qui décide. Pour le moment, il dit que des trucs obvious. Ah bah, Roman, du coup. Si Roman, moi, je pars, j'irais plus Roman. Et loup-garou. Moi aussi. Ça veut dire mais qu'il est garde ou rat malade. Donc, moi, j'aurais il est dit Roman, donc, mais je peux Roman. Très bien me tromper. Ouais, mais Chiwu... Et attendez, j'ai pas compris sur Roman. Discret, hein. Il s'est passé quoi sur Roman? Alors, en gros, il dit que des trucs super obvious. Ça, faut pas le dire. Ouais, mais Chibou aussi, il suit beaucoup. Mais je parle depuis le début, en fait. Chibou, ah. C'est moi. Ah, mais ah, oui, c'est toi. Faut pas Iga, hein, les gars. Faut vraiment pas Iga. Hein. Ouais, c'est... Ok, vaut mieux split. Loup-garou, si tu m'entends, suis nos votes, hein, parce que sinon ouais, non, on perd. Toi aussi, t'auras perdu. Oh! Oh mince! Bah, attends. J'ai trouvé un méchant, mais j'ai pas trouvé. Alors, la partie continue! Victor Durand. Mais là, on a perdu. Ah, mais je savais pas que la partie continuait. Oh non. Bien joué. Aïe. La partie a continué, même si. Bah, y'a un camp qui a gagné en fait. Mais voilà, en fait, vous avez attaqué Tritri. Sauf que Tritri a dit qu'il était LG, qu'il fallait pas l'attaquer.